Nouveau journal de la rédaction, merci d'être avec nous à la une de ce lundi après une détente d'une dizaine de jours du lundi 8 janvier 2023 dans les écoles primaires et secondaires en fonction du calendrier initial. Sécurisation des personnes et de leurs biens à Kachobwe, des éléments de la Légion nationale d'intervention et des commandos des forces armées sont sur le terrain en vue de quoi? Crue du fleuve Congo, plusieurs provinces sont affectées par des inondations. Nous irons en Mbandaka, ville portuaire de la province de l'Équateur où la population appelle à l'aide. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition des 7 heures en direct sur la télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour. Tous les élèves du primaire et secondaire reprennent aujourd'hui, 8 janvier, le chemin de l'école dans le respect du calendrier scolaire. Voici les communiqués irrelatifs lus ici par Bobette Enga Lissamba. Contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'État, ministre de l'EPST, qui circulent sur les réseaux sociaux, œuvre d'un incivique, ayant imité la signature de son excellence, le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, faisant état d'un report de la reprise des cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours, je tiens à confirmer qu'en respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, le début du deuxième trimestre de cette année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024, conformément à l'horaire des cours de chaque école et ce, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, chaque directeur provincial de l'EPST est tenu de réunir son comité provincial et prendre les mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024 et en assurer une large diffusion auprès de tous les acteurs et partenaires éducatif. Un rapport circonstanciel sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. Direction Okatanga, plus précisément à Kachobwe, dans les territoires de Kasenga, deux éléments de la Légion nationale d'intervention et des commandos des forces armées y sont déployés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens après des scènes de vandalisme par des jeunes. Images et commentaires. C'est après l'intervention de la police nationale congolaise et de l'armée que la vie a repris normalement à Kachobwe, dans les territoires de Kasenga, et que les victimes des maisons vandalisées ont commencé à regagner Kachobwe ce samedi 6 janvier 2024. Ils ont détruit ma maison et pillé tous les biens de valeur qui s'y trouvaient. Ils ont en plus emporté la somme de 2 500 000 francs congolais appartenant à ma belle famille. Je suis resté même réduit. Je ne sais où aller et comment vivre avec les enfants. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide, et surtout les gouvernements. J'étais au champ, c'est à mon retour que j'ai constaté la destruction de ma maison. Tout ce qui s'y trouvait a été emporté, y compris une importante somme d'argent, 8 sacs de riz et 8 sacs de ciment. Ils ont même emporté les habits pour mes enfants, ma femme et moi-même. Nous n'avons plus rien pour l'instant. Que l'État congolais se souvienne de nous. Ils nous ont entourés jusqu'au point de détruire ma maison après avoir tout pillé, alors que j'avais un stock de plus de 450 planches pour ma charpente. Voilà ce qui est resté maintenant. Que les gouvernements nous viennent en aide. Par ailleurs, la population est en train de vaquer librement à ses occupations. Du côté marché Kipailo, par exemple, les motocyclistes ont repris le travail. Les vendeuses et vendeurs sont visibles un peu partout en train de servir leurs clients. Bref, pas de panique. Kachobwe, dans les territoires de Kasenga. Tony Mutung, RTNC. Dans le Haut-Katanga, cette fois dans la ville de Likasi. Cette ville a vécu d'intenses moments pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, c'est un rythme normal que la vie a repris. C'est un constat de Cédric Kenina. Likasi hume l'air frais comme d'habitude dans sa tranquillité légendaire. Après le scrutin du 20 décembre, la ville a retrouvé son rythme normal, comme le confirme ici le maire de cette ville, Henri Mungumba. Le tableau est calme, on a fait les rapports depuis le matin, tout est calme et les gens sont allés prier, c'est l'épiphanie aujourd'hui.
sans incident, tout est calme. C'est un bruit qui a circulé hier, on a vu les images sur les réseaux. Il se fait qu'il y a un groupe d'insurgés. Est-ce que ce sont des gens qui sont venus ou est-ce que, bon, c'est un groupe d'individus qui est allé placer le drapeau sur le manguier? On ne sait pas. Et le drapeau, on l'a pris, on l'a amené à Lubumbashi des Prisières. Donc, il n'y a pas eu affrontement. Ces groupes n'existent pas ici. Hein. En tout cas, tout le monde va au travail, et même nous-mêmes, on travaille sans air et quoi. La paix pour tous et à tous, c'est le vœu exprimé par la population de cette ville jadis appelée Jadoville. Le changement climatique, de nouvelles inondations en RDC, plusieurs provinces sont affectées par ces inondations. À l'instar de l'Équateur, la ville de Mbandaka et ses zones périphériques sont actuellement confrontées à une montée des eaux du fleuve Congo qui a entraîné la destruction de nombreuses habitations. C'est le dossier que nous proposent René Ngwangou et Marie-France Zaina. Les effets du réchauffement de la planète sont des défis auxquels sont confrontés l'ensemble des États du monde qui en font une question de vie ou de mort. Parmi ces effets, l'on note les inondations dues à la montée du niveau des eaux observées ces derniers temps en République démocratique du Congo. Sur la cartographie, la province de l'Équateur est la plus touchée. Plusieurs campements et villages situés le long du fleuve Congo et de grandes rivières sont sous les eaux. À titre illustratif, dans la ville de Mbandaka, certains quartiers sont inondés avec des conséquences graves sur le quotidien de la population. Cette situation dépasse notre attendement. Toutes les avenues du centre-ville sont inondées. Tous les ports sont sous les eaux. Les quartiers Royal, Bomboko, Basoko et Kongo-Wassa sont inondés aussi. Que le gouvernement nous vienne en aide. Pour se déplacer dans certains endroits, il faut prendre la pirogue avec le risque de se noyer à la moindre inattention du piroguier. Faute de moyens et par manque d'un lieu de refuge, des familles entières passent la nuit à la belle étoile sans assistance aucune. Les plus vulnérables, les femmes et les enfants en font les frais. Au regard de la montée des eaux au-delà du niveau des fosses septiques et installations sanitaires, il faut s'attendre à des épidémies ou à des maladies d'origine hydrique. L'inondation de cette fois-ci, à travers toute la province, c'est vraiment catastrophique parce qu'il y a eu vraiment des pertes de biens. Également, il y a eu même des cas de noyades, des enfants de moins de 5 ans qui sont tombés dans l'eau et puis ils ont été récupérés de cadavres. Nous demandons vraiment à ce que le gouvernement puisse venir en aide à la population de l'Équateur parce que les inondations de cette fois-ci auront beaucoup de conséquences à tous les niveaux, économiques, sanitaires, sociaux. À l'étiage ici, on peut s'attendre à des cas de choléra dans les différentes zones de santé de la province. D'après certains témoignages, la population n'a jamais vécu une situation pareille depuis les années 60. Pour les scientifiques, les conséquences des phénomènes liés au changement climatique peuvent être évitées ou atténuées si leurs alertes sont prises au sérieux par la population et les autorités. Nous sommes en année El Niño. Je vous ai dit que les érosions, les pluies diluviennes, tout cela va arriver ici. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la province de l'Équateur avec des inondations qui sont associés à ce phénomène-là. Les scientifiques ne sont pas capables assez de lancer l'alerte auprès de la communauté. Nous devons avoir ce relais-là pour lancer l'alerte et nous ne savons pas dans quelle direction nous allons avec les changements climatiques ici en Afrique centrale. Nous devons encore travailler davantage avec tous les laboratoires qui sont à Brazzaville, à Yaoundé ou à Kinshasa. Nous voulons maintenant être à jour pour prévenir ce qui va arriver. Aux décideurs de prendre toutes les dispositions pour qu'à l'avenir, les pertes en vies humaines et matérielles soient évitées. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Chose. Le membre du consortium panafricain pour la paix sont descendus à l'Assemblée nationale avec le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata. Ils ont parlé processus électoral en RDC pendant et après les élections. Fait le point avec Robert. Avant le retour dans leur pays respectif, le membre du consortium panafricain pour la paix, conduit par Dr Nunga Jomo Ernest, coordonnateur de cette structure panafricaine qui valorise les cultures et la paix, ont remis et présenté le rapport préliminaire de leur mission d'observation électorale en République démocratique du Congo au premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbatabetokoumé Soumangou. Les membres de cette organisation panafricaine saluent l'organisation des élections dans le délai constitutionnel et se félicitent de la paix qui règne en RDC après ces scrutins
qui ont consacré la victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême pour un deuxième mandat. Vous voyez l'innovation que la CENI a fait concernant le centre de vérité. C'est une première en Afrique subsaharienne. Il faut l'encourager. Et nous pensons que d'autres pays, sur nos conseils, doivent prendre l'exemple du Congo, Kinshasa. Vous avez vu qu'après la proclamation provisoire des résultats, toutes les rues de la capitale ont été envahies par le peuple congolais. C'est un signe fort. Ça prouve que l'expression démocratie elle-même est exprimée ici. Ce rapport sera présenté au président de l'Assemblée nationale et à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La RDC est au centre du panafricanisme, a dit le professeur André Mbatabetoukoumé Soumangou. Nous sommes par excellence un pays panafricaniste, vous vous rappelez, dans notre propre constitution, nous disons, nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique et le monde. Donc, ce sont des idéaux que nous partageons avec nos amis dans ce pays de Patrice Emery Lumumba, qui avait dit en son temps dans sa lettre à sa femme Pauline que l'Afrique écrivait sa propre histoire, une histoire de grandeur, pas une histoire écrite à Bruxelles, à Paris, et à Washington ou à Londres, mais elle partirait de l'Afrique elle-même. Ils repartent tous contents d'un séjour agréable en République démocratique du Congo après le 20 décembre 2023. Validation de candidats à la députation nationale par la Commission électorale nationale indépendante, une décision saluée par le secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya appelle le procureur général de se saisir du dossier pour décourager ces mauvaises pratiques. Alain Bikaï, reportage. La décision de la centrale électorale invalidant certains candidats à la députation nationale pour fraude et incitation à la violence a le soutien de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour son secrétaire général, le parti d'Étienne Tshisekedi a toujours prôné des valeurs démocratiques et l'UDPS se désolidarise avec les candidats sanctionnés par la CENI. C'est une décision qui vient quand même remettre des choses en ordre. Comme vous le savez, ça fait plusieurs années où chaque fois quand il y a élection dans notre pays, les acteurs politiques se comportent comme les délinquants. À des fois, ils font ce qu'on appelle bourraille des urnes. À des fois, ils utilisent la violence pour se faire élire d'une façon malhonnête. Nous avons décidé de nous désolidariser avec tous les membres du parti cité par la Commission nationale électorale indépendante. Concernant un audio devenu viral dans les réseaux sociaux où un candidat fraudeur sanctionné par la CENI les cite nommément, Augustin Kabouya demande à ses détracteurs d'apporter ne fût-ce qu'une petite preuve les mettant en accusation, il démissionnera. Je viens de l'école Tshisekedi. Je ne peux pas faire la honte de mon maître, fait docteur Étienne Tshisekedi. Je viens de cette école. Mais celui qui a parlé, vous pouvez lui poser la question s'il venait de quelle école. Pour l'honneur de mon parti, l'honneur des combats politiques menés par le père fondateur, je ne peux pas humilier le président de la République pour être mêlé dans des bêtises comme ça. Vous avez jugé bon de tricher aux élections. On vous attrape, vous commencez à dire que non, moi, j'ai volé les fretins et lui a volé des poulets. C'est ce qu'il est en train de dire. Il reconnaît quand même qu'il a triché. Mais le justice a triché avec le nom de Kabouya. Il détient des preuves. Moi, je l'encourage. Qu'il fasse ça devant les juges. Et ça va éduquer certaines personnes dans les politiques. Pour ce faire, le numéro 1 de l'UDPS demande au procureur général de se saisir de ce dossier, car l'auteur de ces audios est pas aux aveux. Toujours en rapport avec cette validation des candidats par la CENI, le haut représentant de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP et alliés, lui, a tenu une réunion à l'intention des présidents des partis politiques, membres de ces groupements politiques. Tony Kankouchikou a appelé les candidats invalidés à l'apaisement, nous dit Malumbela.
La nouvelle a fait l'effet d'un séisme dans le monde politique. Après la publication par la CENI des 82 noms des candidats aux législatives sanctionnés suite aux actes répréhensibles posés, les hauts représentants de l'autorité morale de la méga-plateforme politique AAAP et alliés a battu le rappel des troupes pour examiner cette décision. Une occasion pour le haut représentant de l'autorité morale, Tony Kankouchikou, de calmer les esprits au sein de cette famille politique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seule le voie de recours demeure une solution pour permettre aux candidats invalidés de se défendre, a-t-il conclu. Seule le voie de recours demeure une solution pour permettre aux candidats invalidés de se défendre, a-t-il conclu. Dans cette réunion, autour de lui, président de parti politique, membre de l'AAP et allié. La plateforme électorale et politique, AAAP, s'est réunie ces jours autour du haut représentant du chef de l'État, Excellence M. Tony Kankouchikou, pour parler des enjeux de l'heure. Il est recommandé à chaque mosaïque, à savoir AMSC, AE, AAAP, ADR, Fonds populaire et patriotique et APCECO, prendre des positions quant à ces, en gardant l'esprit et la vision de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Pour votre gouverne, l'alliance des acteurs attachés au peuple et alliés est l'un des maillons importants à avoir porté la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi au scrutin du 20 décembre 2023 qui a abouti à un plébiscite synonyme d'une réélection de ces derniers. Cet audio devenu viral, attribué faussement à Constant Mutamba, dans lequel ses candidats à la présidentielle remettent en cause le résultat des scrutins du 20 décembre 2023, il porte un démenti à ce sujet. On l'écoute. Moi, Mutamba Tungunga, je n'ai pas été élu président de la République démocratique du Congo. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu déployer autant de moyens dans autant de circonscriptions qu'il y a dans notre pays. On a tiré des leçons. Notre challenger Tshisekedi a réussi à recruter suffisamment de leaders régionaux qui ont réussi à battre campagne pour lui, à lui donner beaucoup de suffrages. Ce qui n'était pas le cas avec nous. La plupart de mes candidats, députés nationaux et provinciaux, étaient de novices en politique. Le président Kadima a pris le courage, après toutes les dénonciations que nous tous nous avons formulées, parce que nous tous nous nous sommes plaints auprès du président Kadima, auprès de la CENI. Il a entendu nos voix. Parce que, mes amis, le fait est que tous ces fraudeurs-là a attrapé, invalidé. Le président Tshisekedi ne leur a jamais demandé d'affrauder pour lui. L'infraction est personnelle, individuelle. Est-ce que Tshisekedi, le président Tshisekedi, a demandé à un candidat et dit « Va tricher pour moi et puis tu triches aussi pour toi ?» Ils ont utilisé la ruse. Ils ont voulu utiliser abusivement le nom Tshisekedi pour justifier leur antivaleur, leur immoralité. Et maintenant qu'ils sont rattrapés, même le président Tshisekedi s'est désolidarisé des 12 candidats de l'UDPS et de tous les candidats de la majorité au pouvoir. Et nous remercions vivement le président Kadima pour son sens élevé de patriotisme. De jeunes de l'UDPS, elle est indignée par des propos diffamatoires à l'endroit de son secrétaire général. Elle sort de son silence à travers cette déclaration. La Ligue des jeunes de l'UDPS est indignée par les propos diffamatoires d'allure de provocation politique faites par M. Charles Mbutamountou, secrétaire général de l'ACP et ses acolytes. Dans leurs propos, les personnes précitées, dépourvues d'une ligne de défense, se sont illustrées par une perte de contrôle et de maîtrise de soi, au point qu'à travers une note vocale devenue virale sur les réseaux sociaux, se sont trompés de cible en portant des accusations graves et gratuites
contre certains candidats de l'Union pour la démocratie et le progrès social et son secrétaire général, M. Augustin Kabuya Chilumba. Ces allégations de mauvaise foi, expression d'un acteur aux abois, prouvent que ce dernier ne s'attarde pas sur la décision entreprise par la CENI et les voies de recours, mais sur le complice imaginaire qu'il cherche à recruter à l'UDPS Bar Tshisekedi visant la politique de la terre brûlée, promettant de réagir promptement par tous les moyens légaux. À cet effet, la Ligue des jeunes de l'UDPS appelle toute la jeunesse à la vigilance contre les laboratoires politiques des aigris, des fistrés et des acteurs surpris par la CENI dans les pratiques illégales. En cas de confirmation de la décision de la CENI par les juridictions compétentes, la Ligue des jeunes de l'UDPS sollicite l'exclusion du parti de toute personne et ternit l'image du temple de la démocratie et celle de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, des Rezmemo. Pendant ce temps, l'Alliance pour la réforme de la République, c'est un mouvement politique soutien, elle aussi, la décision de la CENI sanctionnant 82 candidats à la députation nationale. On écoute cette déclaration lue par Henriette Wam. L'Alliance pour la réforme de la République encourage la CENI, Commission électorale nationale indépendante, dans sa démarche visant la crédibilisation des élections. Nous, ADR, membres de la méga plateforme électorale et politique, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, conduite par le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou Chikou, prenant acte de la décision de la Commission électorale nationale indépendante ayant conduit à l'invalidation de 82 candidats députés nationaux et l'annulation des élections dans certains bureaux et centres de vote. De la même manière que la proclamation des résultats de l'élection du président de la République a respecté la vérité des urnes, l'ADR recommande à la CENI d'en faire autant pour le reste des scrutins. Elle félicite par ailleurs le président de la République pour sa réélection. Saluant la victoire écrasante, notre champion, en l'occurrence son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous souhaitons d'ores et déjà un fructueux deuxième mandat au service du peuple congolais. Toutefois, l'ADR promet de travailler pour l'intérêt de la nation sous la vision du chef de l'État en son second mandat. De leur côté, les notables du Grand Kivu présents à Kinshasa ont, au cours d'une rencontre, exprimé leur satisfaction au vote du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions avec Rétoussi. C'est à Rotana où ils ont pris tout leur temps. Les notables et autres autorités coutumières du Grand Kivu présents à Kinshasa ont analysé avec satisfaction la participation massive des filles et fils du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et de la Grande Orientale aux élections du 20 décembre 2023 qui ont porté un triomphe le chef de l'État fixe Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous en appelons à tous nos compatriotes de nous unir autour de votre vision consistant à sauver notre pays des différents maux qui le gangrènent son développement, notamment l'agression rwandaise dont les populations de la partie est sont victimes. L'est de la RDC attend donc beaucoup du second mandat du président Tshisekedi, comme cela est repris dans ce mémorandum présenté par le porte-parole Joseph Nkinzo. Le rétablissement de la paix durable à travers la mise à disposition des moyens nécessaires au FRDC et l'encadrement de Ouazalendo afin de défendre efficacement l'intégrité territoriale. La poursuite des travaux de construction des infrastructures socio-économiques de base et voies de communication. La résorption du chômage de masse par la promotion de l'agriculture, l'entrepreneuriat
et le développement de l'industrie de la transformation. La CENI a été encouragée et invitée à poursuivre sans désemparer son travail, sans entrave donc, après même l'invalidation de certains candidats. Leader dans la production des imprimés wax de haute qualité, Vlisco RDC vient de lancer sa nouvelle collection sur le marché congolais avec les nouveaux motifs dénommés Deuxième Mandat. Regardez. Kombolangaï Mama Sosi, na zali vendeuse ya ba produit Vlisco, nokwa ba super wax hollandais ba java ya original obse do tekaka. To bimisi elamba ya sika. Yango yo ba descend wango ya sika to pesi yango kombo Deuxième Mandat. Poni to pesi yango kombo parce que to zara toujours l'habitude ko pesa blamba ba kombo suite ya événement moko salme na mboka ya makasi. Ou de soit nzembo moko et sali succès na kati ya mboka et lamboko bima période wana to pesi simbo ya soit ya nzembo soit ya événement wana. Année passée na événement ya mois de la femme et la maman peut se assurer bima qui et la bande bimi l'air nzembo ya fali et au sala c'est femme forte pour amater la maman peut to pesi kombo femme forte parce que nzembo ya fali et sala qui succès pendant ba élection oh ya 2023. Tobimisi nouveauté ngo yangoyo to pesa ngo kombo Deuxième Mandat. To ebi ba election ndenge nini e kendeli biso soto mun ndenge makambo leki yango tobimisi lamba Deuxième Mandat e lambeza kitoko ba mama boya ba papa boya ba kosomba Deuxième Mandat bo zala de cité e lamba biso vraiment za kitoko ba couleur nyonso ezali ozala pembe ozala mwindu okosele tuve yango to bengi bino boya bo kosomba Deuxième Mandat to zela bino. Ma mama e Deuxième Mandat yango e. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Après une détente d'une dizaine de jours due aux fêtes de fin d'année, le cours en repris aujourd'hui lundi 8 janvier 2023 dans les écoles primaires et secondaires en fonction du calendrier scolaire. Vous avez suivi l'unité irrelatif. Sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous étions à Kachobwe dans les territoires de Kasenga où des éléments de la Légion nationale d'intervention et des commandos des forces armées sont déployés pour assurer la sécurité. Crue du fleuve Congo, plusieurs provinces sont affectées par des inondations. Nous étions à Mbandaka où la population a appelé à l'aide. Voilà tout, madame, messieurs. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition. 7h au nom de Jonathan Mubalama, Patrick Bapuila qui ont réalisé ces journaux. Nous vous en merci de l'avoir suivi. La partie technique a été assurée par Jean-Si Matondo, Gabi et Konga, héritier Katendi, Alain Sodi. En leur nom, je vous dis de votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous.